matin, nous allons tenir debout. Nous allons partager un verset dans la Bible. Mettons-nous debout pour le respect de la parole. Nous allons lire un verset dans la Bible. Nous prenons les livres de Luc. Luc, chapitre 5. Nous lisons du 1er au 11e verset. Mais ici, nous allons commencer à lire à partir du 2e jusqu'au 7e verset. Luc 5, du 1er au 11e verset. Je commence à partir du verset 2, suivez-moi très bien, lisons ensemble. Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Premièrement, il les pria de s'éloigner un peu de terre. Deuxièmement, puis il s'assit. Et troisièmement, de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Merci ta parole, je jeterai le filet. » Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles avançaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Seigneur, bénis ta parole et donne la révélation à ce peuple. Au nom de Jésus, qu'elle veut le prier. Amen. » Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Dites à celui qui est à côté de toi, « Bon appétit. » Oh, il y a mis ça pour toi, ça permet de bon appétit. C'est un verset que vous avez déjà écouté. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, raison pour laquelle on appelle la Bible la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parce que le même verset, on peut décortiquer ça de plusieurs manières. Ça dépend de la révélation ou de l'Esprit de Dieu qui est sur toi. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Suivez-moi très bien. Un jour, j'étais en train de suivre une émission à la télé. Dans cette émission, où on montrait comment est-ce que les enfants sont en train de naître. Il y a une maman qui était partie accoucher. Et cette maman-là avait accouché un enfant. Et ce qui avait plus attiré l'attention de médecins qui étaient là, ou des aides-soignants, des gens qui étaient des accouchés, ou des sages-femmes, est que l'enfant était bien, bien sorti. Mais l'enfant n'avait en lui aucun signe vital, c'est-à-dire l'enfant ne montrait pas quelque chose qui pouvait clairement l'enfant était en vie. Suivez-moi très bien. La maman avait accouché dans de bonnes conditions. Elle a accouché dans de bonnes conditions et le médecin a constaté qu'il n'y avait aucun signe dans le fœtus de l'enfant. Alors, le médecin a dit à une de ces femmes qui était là, il a dit, non, pour qu'on sache que réellement cet enfant est en vie, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut taper cet enfant. On doit taper l'enfant. Quand on saura que l'enfant va crier, c'est à ce moment-là qu'on saura que l'enfant est en vie. Je ne sais pas si je me trompe. C'est comme ça que ça se passe. Quand l'enfant ne manifeste absolument rien, on doit taper l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Partant de cet exemple, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, ah bon, c'est que dans la vie, il y a certaines personnes qui commencent la vie dans la souffrance. Ah, c'est là où j'ai tiré mon verset. Je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est que la souffrance, ça faisait partie aussi de quelque chose qui pouvait nous être utile plus tard. Cet enfant-là qui a été tabassé. Oh, le problème de le tabasser, c'était pour que l'enfant pleure. C'était que pour que l'enfant ait la vie, qu'on constate que réellement l'enfant vit. J'ai compris que les chrétiens qui viennent à l'église, il y a les gens qui prient. Peut-être que tu vas me dire, papa, moi j'ai beau prier. J'ai été dans telle église, j'ai été par-ci par-là. Mais je voulais te dire, il y a certaines personnes qui commencent leur vie tout en pleurant. Quand tu pleures là, ce n'est pas pour que tu te mets toujours dans le plaire, mais c'est pour que ce plaire-là soit changé en allégresse. L'enfant-là qu'on avait tabassé, c'est pour attester carrément l'enfant vit. C'était un signe de joie. Oh, l'enfant commençait par nous faire voir les signes à partir de ce qu'on a fait. On a tabassé d'abord l'enfant et l'enfant a pleuré. Et le médecin et la maman, ils avaient constaté carrément l'enfant était vivant. Ma sœur, mon frère, il en est de même aussi avec la vie chrétienne. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils croient que quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, que c'est un cadeau. Ce n'était pas un cadeau. Vous savez, je le dis chaque fois, dans la vie chrétienne, ça dépend du temps que Dieu a prévu pour tout un chacun.
Mais il y a d'autres personnes qui commencent tout en étant toujours joyeux. Mais c'est là, genre-là, qui commencent tout en étant joyeux, ils finissent toujours mal. Or, dans la vie chrétienne, il faut commencer avec le plaire. Parce qu'avec Jésus, c'est que j'aime avec lui. Tu vas commencer avec le plaire, mais tu vas terminer très bien. Tu vas commencer tout en étant frappé, mais tu vas terminer avec la joie. C'est d'abord qu'on avait frappé. Par après, l'enfant a senti de douleur. Or, ce que l'enfant va nous montrer, c'était ce qu'on appelle des signes vitaux pour qu'on sache que réellement l'enfant vit. Donc j'ai compris que certaines souffrances nous apportent à la vie. Certaines souffrances qui nous arrivent à la vie, ça devrait nous conduire vers la vie. J'attends quelqu'un dire amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà, je voulais être bref. Je reviens à cette histoire d'aujourd'hui. Écoutez la révélation qu'il y avait dans ce texte. Certains matins, j'ai entendu parler de ce texte. Un jour, Jésus, il était dans l'autre rive du lac de Génézareth. Il est arrivé, il a trouvé deux barques. Écoutez-moi très bien. Il a trouvé deux barques. Dans les deux barques étaient ensemble. Le pêcheur ou le propriétaire de ces deux barques, ils avaient déjà travaillé toute la nuit. Quand ils ont travaillé toute la nuit, sans rien prendre, ils avaient échoué. Arrivé le matin, ils ont rencontré l'homme de Galilée. Jésus s'est présenté devant eux. Jésus a trouvé qu'il y avait deux barques devant lui. Mais la Bible dit, dans les deux barques qui étaient là ensemble, Jésus avait choisi une des barques qui appartenait à Simon. Suivez-moi là où commence le problème. Jésus a choisi la barque qui appartenait à Simon, alors que les deux, ils étaient ensemble. Il a dit à Simon, « Simon, je voulais aller de l'autre côté. J'entre dans ta barque et avance à pleine, on va avancer parce que je vais aller de l'autre côté. » Ma sœur, mon frère, écoutez-moi, je voulais dire quelque chose. Les deux barques étaient ensemble, mais Jésus avait choisi une barque qui appartenait à Simon. Ma sœur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, dans une église où il n'y a pas de témoignage, dans une église où la main de Dieu ne se manifeste pas, ma sœur, je t'autorise de quitter. Même celui-ci dans ce lever, quand il n'y a pas de témoignage, je te dis que c'est que nous nous mangeons jour et nuit, allez-y dehors, va aller chercher ailleurs. La Bible dit, le royaume de ciel ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. C'est-à-dire, comment est-ce que vous nous donnez seulement la peine de vous prêcher la parole s'il n'y a pas la manifestation de la puissance? On parle de Dieu et de l'autre côté, il y a la manifestation de la puissance. C'est pour attester que réellement Dieu est au milieu de nous. Mais ce qui a attiré plus mon attention dans ce texte, dans les deux barques, Jésus avait choisi seulement la barque qui appartenait à Simon-Pierre. Ma sœur, mon frère, tu peux être parmi nous ce soir. Peut-être tu vas me dire, moi aussi je viens à l'église, moi aussi je prie. Mais laisse-moi te dire, Jésus avait commencé d'abord par choisir la barque de celui qui est à côté de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus a commencé par choisir la barque de celui qui s'est assis à côté de toi. Toi, tu vas me dire, mais on est ensemble. Est-ce que Jésus m'a oublié ou pas? Il a choisi la barque de celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus est entré dans cette barque-là. La première chose, il a dit à Pierre, « Pierre, éloigne-toi d'abord un peu de terre. » Ma sœur, mon frère, la Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si seulement si tu es un enfant de Dieu, la première chose que tu vas faire dans ta vie, si tu veux que Jésus se manifeste dans ta vie, tu dois d'abord commencer par te séparer avec le monde. Jésus dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Que Pierre devait s'éloigner d'abord du monde. Car même à la fin, il avait combien qu'on avait vu. Mais le problème de Jésus, que tu te sépares d'abord du monde. Patrice l'avait chanté plutôt. Dans un de ses cantiques, il a dit, il a cherché le monde. Il l'a trouvé où? À l'église. Il a cherché l'église. Il l'a trouvé où? Dans le monde. C'est l'inverse. Or, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, la première des choses, sépare-toi avec le monde. Quand tu vas te séparer avec le monde, c'est ce que Jésus a commencé par dire à Pierre. De deux, il s'assit. Jésus va entrer maintenant en toi, il va s'asseoir. Quand il va s'asseoir, la Bible dit de toi, il a commencé à enseigner la foule. C'est pour dire que Jésus veut qu'il entre en toi. Lorsqu'il s'assied, il va commencer à porter la parole à d'autres personnes. Combien de gens utilisent leur corps comme le temple de Dieu? Combien de gens se permettent de faire n'importe quoi avec leur corps? Mais vous oubliez que Jésus devrait s'asseoir à vous et apporter la bonne nouvelle aux autres. La Bible dit, ce que tu as entendu de moi dans 2 Timothée, en présence de beaucoup de fidèles, confie-les à des hommes capables qu'ils soient aussi à mesure de les enseigner à d'autres personnes. Est-ce que Jésus utilise aussi ton corps? Jésus, est-ce qu'à partir de toi, il peut gagner encore 2 personnes ou 1 personne? Il a dit à Pierre de s'éloigner de terre. Il s'est assis et il a commencé à enseigner. Ma sœur, mon frère, tu dois faire une introspection, tu dois t'examiner. Est-ce que mon corps, il est réellement le temple de Dieu ou pas?
J'ai volé. Pierre, Jésus a dit à Pierre, avance. Pierre est avancé en plein eau. Quand il est avancé en plein eau, Jésus a dit maintenant à Pierre, jette ton filet. Pierre a jeté le filet. Écoutez-moi, écoutez le mystère qu'il y a dans ce verset-là. Pierre a jeté le filet. Lorsque Pierre a jeté le filet, la Bible dit, Pierre avait pris une quantité considérable de poissons. Tellement qu'il y avait beaucoup de poissons. La Bible dit, à telle enseigne que le filet de Pierre avait commencé à se rompre. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Pierre a remarqué, lui qui a été choisi, et que sa barque était pleine, et qu'il y avait beaucoup de poissons, ma sœur, mon frère, la Bible dit, Pierre a fait appel à son ami et à ses amis qui étaient des pêcheurs, à son ami qui était resté, ils étaient à deux, à son ami qui était resté à côté. Pierre a fait appel à lui pour lui dire, mon ami, c'est bien, on avait choisi ma barque, mais je t'invite aussi à venir participer à ce que moi j'ai vécu comme miracle dans ma vie. Viens avec ta barque. La Bible dit, les deux barques étaient remplies, à telle enseigne qu'il y a eu encore d'autres pêcheurs qui étaient venus aussi avec les barques pour qu'ils puissent mettre aussi d'autres poissons. Ma sœur, mon frère, dans la vie chrétienne, dans une église, on peut donner une prophétie à un frère ou à une sœur que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Écoutez-moi très bien, c'est une bonne chose. Cela atteste que réellement Dieu est avec nous. Dans une église, Dieu peut te visiter, toi, ma sœur qui est à côté. Mais ce que Dieu va faire à partir de toi, c'est ce qui va attester que, comme Dieu a commencé déjà à agir dans la vie de ma sœur Charlie, c'est que je suis dans un bon endroit. C'est que comme Dieu agit dans sa vie, il finira par agir aussi dans ma vie. La barque était celui de Pierre qui était rempli, mais l'autre frère, l'autre pécheur était assis à côté. Il n'avait pas quitté l'église. Il ne s'était pas déplacé pour aller ailleurs. Il attendait toujours là avec sa barque. Mais la bénédiction de Pierre qui avait jeté le filet, qui avait pris beaucoup de poissons, a fait profiter à l'autre. Même si on ne t'a pas donné de prophétie à l'église, tu dois attendre. Attends, parce que la personne de l'autre, c'est pour dire que comme il agit dans sa vie, il agira aussi dans ta vie. Beaucoup de gens quittent l'église pour dire, depuis que je suis là, moi jusqu'aujourd'hui, il n'y a seulement manière. Je suis venu dire à une personne, quand tu as écouté le message, quand tu as entendu le témoignage, c'est pour dire que Dieu est là. De la même manière, Dieu agit dans la vie de notre bien-aimé. De la même manière également que Dieu agira dans ta vie. Qui a un problème qui tourmente sa vie? Presque tout le monde. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne mange jamais. Reste là où tu es. Cet homme-là, si c'était déplacé avec sa barque pour dire que non, Dieu a parlé seulement à Pierre. Jésus a choisi seulement la barque de Pierre. Il allait rater sa bénédiction. C'est pour dire que pourquoi ce matin a été guéri? Pourquoi ce matin a été béni? Non, reste toujours en place. La Bible dit, Jésus, il s'assied et il commence à enseigner la foule. Ma sœur, mon frère, quand vous avez déjà un message et que vous remarquez dans votre église et que Dieu a déjà agi dans la vie de telle sœur, restez calme. C'est que de la même manière, Dieu a agi dans la vie de telle sœur, il agira aussi dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer très fort le roi des rois. Laissez le Seigneur. Pierre et son compagnon avaient déjà perdu l'espoir. Parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans reprendre. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ne perds jamais de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Cet homme-là, je crois peut-être qu'il avait commencé à dire que moi, on m'a laissé, c'est seulement Pierre que Dieu a visité. Or, la bénédiction de Pierre devrait apporter aussi un changement dans sa vie. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour que tout le monde en profite. Ma sœur, mon frère, toi qui avais l'habitude de changer d'église, peut-être tu n'as pas encore vécu la main de Dieu dans ta vie. Quand tu entends que dans une église, que Dieu a guéri telle sœur, Dieu a guéri tel frère, Dieu a visité telle personne, sache que Dieu est là. Mais toi, ton problème, tu dois rester. Assieds-toi, attends avec ta barque. Ne dis pas que pourquoi seulement on a visité tel. Toi, tu dois attendre. De la même manière, tel a été visité, de la même manière, ça sera aussi ton tour. Beaucoup de gens commettent des erreurs énormes dans les églises. Ils disent que non, la prophétie est seulement sortie pour telle sœur, pas pour moi. Mais comme Dieu a déjà parlé pour l'autre, c'est que Dieu finira par parler aussi pour toi. N'abandonne jamais ton endroit. Reste toujours là. Si le monsieur là qui est avec Pierre avait effectué un déplacement dans sa vie, il allait manquer la bénédiction. À telle enseigne que quand Pierre a remarqué que sa barque était remplie de poissons, il a fait appel à lui pour dire, toi tu étais avec moi, viens, tu seras aussi béni. Et sa barque aussi était remplie de poissons. Mais si cet homme-là était parti ailleurs, il allait rater cette bénédiction-là. Ma sœur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un,
Pierre et son compagnon, ils avaient échoué toute la nuit. C'est-à-dire, ce sont les gens qui avaient déjà perdu l'espoir. Parce qu'en matière de pêche, ces gens-là, ils étaient des expérimentés. Quand Jésus les a paris pour leur dire, viens, avance après nous, il y a eu d'abord une discussion. Je ne crois pas que Pierre avait cédé facilement, non. Pierre avait commencé d'abord par dire à Jésus, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de la pêche? Qu'est-ce que toi tu connais? Parce que moi je connais bien les eaux, je sais que pendant la nuit, tous les poissons montent au-dessus des eaux. C'est à ce moment-là que pendant la nuit, nous avons l'habitude d'attraper beaucoup de poissons. Mais je t'ai dit, Jésus, moi j'ai travaillé pendant la nuit, je n'ai rien pris. Mais toi qui n'as jamais pêché, tu me dis d'aller. Après avoir discuté, Jésus lui a dit, ça c'est moi qui interprète. Écoutez Pierre, nous ne sommes pas les enfants de la nuit, nous sommes les enfants du jour. Toi tu as travaillé la nuit, c'est l'image des ténèbres, c'est là où tu as échoué. Mais pendant le jour, tu vas attraper le poisson. Et le jour également arrivé le matin, Jésus a dit à Pierre, avance à plein eau. Pierre avait avancé et il avait attrapé beaucoup de poissons. Ma sœur, mon frère, même au commencement, la Bible dit, les ténèbres couvraient toute la terre. Mais Dieu avait parlé là où il y avait les ténèbres. Je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les ténèbres qui règnent dans ta vie, le problème c'est parce que toi tu n'aimes pas parler. Moi j'aime chasser. Chasser lui, Bartimée plutôt. Bartimée lui, il n'avait pas prié. Mais lui il avait crié. Parce qu'il voyait la gravité de son problème. Mais toi, il y a des fois on te demande de parler. Tu ne parles pas. Si on te dit de crier, est-ce que tu vas crier? Parce que Bartimée lui pour son problème, il avait crié. Mais ce que je voulais souvenir dire à quelqu'un, quand Dieu avait remarqué qu'il y avait les ténèbres, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour Dieu, il voulait faire chasser tout simplement les ténèbres. Beaucoup de gens chassent les ténèbres dans leur vie. Beaucoup de gens sont restés assis à l'église. Beaucoup de gens, ils attendent le retour. Il y en a qui ont déjà perdu le combat. Il y en a qui ont déjà commencé à perdre leur foi. Ma sœur, mon frère, le vrai combat de la Bible, ce n'est pas le combat qu'on nous a fait voir là avec les CVMC ou le combat spirituel, on va chasser les démons. Non. Le seul et l'unique combat dont nous parle la Bible. Paul dit à son fils Timothée, il dit, mon fils Timothée, combat les bons combats de la foi. Parce que Dieu savait que dans les temps difficiles, les gens finiront par perdre la foi. Parce qu'il y aura des situations que les gens auront difficile à supporter. La foi, c'est quelque chose de très important. La foi, c'est la seule monnaie que Dieu a mise à notre disposition pour acheter quelque chose qui vient du ciel. Ici en Europe, on utilise l'euro. Au Congo, on utilise les francs congolais. Tu vas en Afrique ici, on utilise le rand. Et dans le royaume de Dieu, la seule monnaie que tu peux te procurer quelque chose, c'est la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas acheter quelque chose. Ma sœur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Ne dis pas que j'avais échoué. Non, reste toujours en place. Pierre et son ami, ils avaient échoué. Mais quand Jésus est arrivé, l'échec a été changé en réussite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois. Toi qui avais déjà perdu l'espoir, Dieu m'a mandaté pour te dire ce soir qu'il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Que les gens se moquent de toi. Que les gens parlent mal de toi. Reste toujours assis. Tu risques de rater ta bénédiction quand tu vas te déplacer. Cet homme-là qui est avec Pierre, s'il s'était déplacé, il n'allait pas être béni. Mais il était toujours assis. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira. Et à la fin, il y a une certitude, elle s'accomplira certainement. Donc, il y a la certitude même à la fin. Ma sœur, mon frère, qu'est-ce qui peut tourmenter ta vie? Qu'est-ce qui peut te déplacer? Qu'est-ce qui te semble difficile? Non, comme Dieu a visité tel, Dieu finira aussi par me visiter. Ferme nos yeux là où nous sommes. Ferme tes yeux. Je ne voulais pas te retenir longtemps. Nous allons continuer avec ce message demain à partir de 10h ici à l'église. Il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Demain, nous allons continuer avec le même message. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ferme les yeux là où tu es. Tu t'es pas encore séparé avec quoi, bien aimé dans le Seigneur dans ta vie. Je voudrais que ce soit que tu te sépares de ces choses-là. Je voudrais me séparer. Tu vas citer la chose à question. Prions le Seigneur. Prie l'éternel là où tu es. Prie là où tu es, bien-aimé. Que tu te sépares de la chose qui te bloque. Ce qui empêche Dieu à demeurer en toi. Seigneur, nous savons que tu es Dieu.
Et ce soir, tu nous as dit, il y a encore de l'espoir pour notre avenir. Même si autrefois nous avions échoué, mais ce soir, Dieu de gloire, nous savons que la réussite, elle est certaine pour tout un chacun de nous. Aide-nous à nous séparer de ce qui nous empêche de vivre ta main puissante dans notre vie. Nous voulons nous séparer de toutes ces choses-là ce soir, oh Dieu très saint. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes toujours les yeux fermés. Ma sœur, mon frère, la deuxième des choses, Jésus était assis dans la barque de Pierre. Peut-être tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Peut-être tu es là, Jésus ne vit pas en toi. Je voudrais que cet après-midi, que tu dises à Jésus, Seigneur, viens et entre dans ma vie. Seigneur, viens et dirige ma vie. Seigneur, viens et commence à prendre possession de ma vie. Élève ta voix, prie l'Éternel, dis à Dieu qu'il entre en toi. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que tu aies la guérison, dis à Dieu qu'il entre dans ta vie. Dis à Dieu qu'il prend possession de ta vie. Prie là où tu es. Élève ta voix, prie. Prie là où tu es, dis à Dieu qu'il entre dans ta vie, qu'il prend possession de ton corps. Jésus avait pris possession de la barque de Pierre. Que Jésus prenne possession de ta barque ce soir. Aide-nous, Jésus. Merci, mon Seigneur, ce qui me voit. Je voudrais, Seigneur de gloire, que tu entres dans la vie de tout et chacun de nous. Et que tu changes également nos vies. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas confesser maintenant la réussite. C'est-à-dire, tu vas proclamer la réussite. Écoutez-moi ce que me dit l'Esprit de Dieu. Tu vas proclamer la réussite dans ta vie, là où tu avais échoué. Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans reprendre. Les échecs appartenaient au passé. Parce que quand tu rencontres Jésus, la vie de Jésus, c'est une vie de victoire. Avec Jésus, il n'y a jamais eu d'échec. Ma sœur, mon frère, quel que soit le problème de ta vie, tu connais bien ces problèmes-là. Tu vas confesser la réussite là où tu avais échoué. Oh, yo, quoi, Samaki. Mais si quand yo soit quitté, Nazo, Misao, Naboli, Monazab, Ozota, Tora, Elonga. Bisiko yoyo kwa yaki. Neli kambo ya lelisa kiyo. Neli kambo kwa sema kinango. Tato lelonga. Toma lelila kwa usi kristo. Elef taba pretene. Proclame la recite. La ou tiyave chwe. Prie le sene la ou tiye. Prie le sene mi elbe. Proclame la recite. Proclame la recite. La ou tiyave chwe. Proclame. Confesse la ta bouche. Proclame la recite. La ou tiyave chwe. Mais je voudrais que tu proclames. Tatola et Longa. Mais c'est quoi ça, Maki? Là où tu avais échoué autrefois, je voudrais que ce soir, que tu proclames la réussite. Confesse la réussite ce soir. Que je réussirai. Que je réussirai. Que la réussite soit notre partage au sein de cette église. Que nous réussissions là où nous avions échoué autrefois. Que ce soir, que nous réussissions. Oh Jésus. Reste calme. Reste calme. Les yeux fermés. Reste calme. Tu as un problème qui tourne à ta vie. Soulève seulement ta main droite là où tu es. Tu veux qu'on prie pour toi. Soulève seulement ta main droite. Nous avons tous les yeux fermés. Je dis bien les yeux fermés. Nous avons tous les yeux fermés sur le serment à ta main droite. Toi qui avais échoué autrefois, là où tu avais échoué, Pierre aussi, si tu le rencontrais, il va te dire, moi aussi j'avais échoué. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est lui qui avait fait que Pierre puisse réussir à la fin. Nous allons prier avec le pasteur Chungu. Il va proclamer la réussite là où tu avais échoué avec ta maladie. Il va proclamer la réussite là où tu avais échoué avec ton mariage. Il va proclamer la réussite. Là où tu avais échoué avec ce qui dérangeait ta vie.
suivons les yeux fermés la prière de l'homme de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Nous savons, Seigneur, que nous demandons, mais nous n'obtenons pas, parce que nous voulons faire notre volonté et nous ne voulons pas exécuter la tienne. Or, c'est ta volonté qui prime dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as prêché que nous devons avancer un peu. Avancer un peu veut dire exécuter ta parole. Nous ne voulons pas être des simples auditeurs à l'église. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Seigneur, c'est pour que nous mettons cette parole en pratique. Et quand nous mettons en pratique, Seigneur, nous obtenons des bénédictions de ta part. Seigneur, je proclame, Seigneur, à travers la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, la victoire sur les femmes qui ne sont pas encore mariées, qu'elles trouvent des maris. Que les frères qui n'ont pas trouvé les femmes, qu'elles trouvent les sœurs et qu'elles se marient. Seigneur, nous prions aussi pour que ceux qui n'ont pas encore trouvé le travail, qu'ils trouvent le travail. Seigneur, nous voulons la réussite à toutes choses. Que ceux qui n'ont pas trouvé la bonne conscience pour poursuivre la vie de persévérance et de fidélité dans l'Église, qu'ils retrouvent la fidélité et la persévérance, Seigneur. Tu aimes la fidélité, tu aimes la persévérance. Tu aimes l'obéissance à ta parole, Seigneur. Et c'est l'obéissance à ta parole et la fidélité à ta parole nous conduit, Seigneur, à la bénédiction et à l'exaucement. Seigneur, que nous ne puissions pas demander mal. Nous voulons demander avec toi. Nous voulons faire ta volonté. Parce que l'apôtre Pierre a dit, l'apôtre Jacques a dit, Seigneur, si nous prions et si nous n'obtenons pas, c'est parce que nous prions mal. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris que nous devons avancer un peu. C'est-à-dire, chaque frère et chaque sœur connaît que dans sa difficulté, les temps que tu as passé dans la souffrance, le Seigneur t'a préparé. Mais aujourd'hui, tu vas avancer. Je proclame la victoire sur toute l'Église. Au nom de Jésus, amen.